Le mouvement démocratique nigérien, Modèle Lumana Africa, est désormais présent sur l'ensemble du territoire ghanéen. Le dimanche 14 juin 2015 a consacré la mise en place de la 10e structure régionale dans ce pays ouest-africain. Les élections se sont déroulées dans un consensus digne de l'esprit d'unité et de solidarité qui caractérise les militants Lumana, notamment ceux de la diaspora du Ghana. Ainsi donc, Abdelaziz Issa a été élu à l'unanimité des militants Lumana de Kumasi pour diriger les destinées de la section du Modèle Lumana de Kumasi. Le président de la diaspora Lumana et celui de la coronation Lumana du Ghana se sont réjouis de l'esprit qui a prévalu au cours des assises et salué la grande mobilisation des partisans de Hama Amadou à l'occasion de l'imposant meeting qui a suivi l'élection de Abdelaziz Issa. Aujourd'hui, je suis très ravi d'avoir de tous les différents soutiens qu'on a eu ici à Kumasi. Donc, compte tenu de différents soutiens, je suis sûr que notre président de la diaspora qui est Tahir Moukela, il est déjà ravi des différentes personnes qui sont venues ici nombreux et très massives à soutenir notre cher président Mohamed qui est le numéro 1, que vraiment nous voulons en 2016 qu'il soit président de la République. Et ensuite, notre diaspora est tout prêt que vraiment nos députés seront acquis tous 100% à Lumana. Vraiment, je suis venu à Kumasi, je suis très grand ami. Je suis chaleureux que les gens de Kumasi m'ont réservé avec ma délégation. Et je suis encore très ravi du meeting. Les gens de Kumasi, vraiment, ils sont déterminés pour Lumana et pour la victoire certaine de Mohamed Benissel de Chambon. Le secrétaire chargé de la diaspora au bureau politique national du Modèle Lumana Africa s'est quant à lui réjoui du parachèvement de l'implantation de son parti dans toutes les 10 régions du Ghana. Habiboulaye Alidou Alzouma a ensuite invité les militantes et militants Lumana de Kumasi à se mobiliser pour le recensement électoral en cours. Je vais sensibiliser pour faire l'air 4 considères pour qu'ils puissent voter pour qu'en 2016, notre président soit élu président de la République. Ce que j'ai vu au Ghana, c'est la dernière étape maintenant. Ça ne laisse que la région de Kumasi, on vient de mettre la région de Kumasi. Donc le Ghana, maintenant, on sait que tous les bureaux, toutes les autres régions ont déjà mis leur bureau. Donc on pense que vraiment, Ghana, on est prêt pour affronter les élections et on va gagner. Au terme de la mise en place de toutes les structures de la diaspora Lumana de Kumasi, le président de la coronation de la diaspora Lumana du Ghana s'engage à tenir dans les prochains mois un grand meeting avec les 10 structures régionales du Ghana, lequel meeting qui accueillera un invité spécial, a-t-il promis.